Après-midi, Haïti mandé officiellement pour autorité immigration États-Unis accorder une prolongation 18 mois pour plus passer 50 000 immigrants haïtiens qui inscrits pour un statut protection temporaire TPS qui gagne pour le fini 22 janvier 2018 là. TPS que le gouvernement américain t'a offert après le tremblement de terre 2010 là en Haïti, eh bien, il permet aux Haïtiens de rester temporairement aux États-Unis avec droit pour le travail jusqu'à ce que gagnent yon aller mieux la caillou en parlant de pays d'Haïti. Dans le mois mai passé, le département de sécurité territoriale États-Unis a annoncé la prolongée TPS pour 6 mois, contrairement à ça, le gouvernement haïtien et le monde qui a défendu l'intérêt a demandé. L'autre gouvernement haïtien qui mandé pour prolonger extension TPS là arrivé joindre département sécurité territoriale vendredi qui s'est passé là d'après journal Miami Herald. L'être ça que ambassadeur haïtien aux États-Unis Paul Altidote écrit dans nom président Jovenel Moïse lancé une invitation by directeur provisoire sécurité territoriale là Hélène Douc pour visiter pays avant administration tremplant prend décision finale qui qu'apparaît dans mois novembre là. Nous t'essayer entrer en contact avec ambassadeur haïtien dans Washington Paul Altidor, mais en vain. Mais dans le dernier contact que nous avons pris avec l'ambassadeur Altidor, il t'a expliqué la question comme ça, dans le micro, Ronald César. En novembre prochain, le département Homeland Security t'a supposé émettre décision, li faire moun konnen exactement est-ce que oui, il y a étant TPS ou bien coupé li. Dans l'entretemps, il y a une cascade d'activités, une cascade de démarches que l'ambassade a fait. Tant et gouvernement a fait à travers l'ambassade là et d'autres autorités étatiques, tant au niveau du gouvernement américain, Homeland, Department Homeland Security, n'a parlé avec mon immigration, n'a parlé avec département d'État, n'a parlé avec Maison Blanche, et du même coup, n'a parlé aussi avec législateurs américains, sénateurs, okay. Députés américains, mais mon ça, on a parlé avec eux à deux niveaux, Ronald. D'abord, on a parlé avec eux pour sympathiser à cause TPS là, pour sa grande extension de TPS là. C'est le cas, j'en saute répété à deux sénateurs Bill Nelson, qui est un pilote monde encore au niveau du Parlement américain, qui impliquait le dossier ça. Mais bon, l'autre point aussi, nous commençons à soulever avec eux. TPS là, on a rappelé tout internaute qui attendait là, son programme temporaire que lié. C'est-à-dire que depuis le programme, ça a été institué pour Haïtiens en 2010. L'administration Obama, c'est chaque 18 mois, elle est obligée de renouveler. C'est-à-dire que, okay. Comme ils sont bagailles temporaires, ça ne veut pas dire que les gens qui a bénéficié de TPS, ils ont un statut de résident permanent. Alors, si chaque 2 mois, chaque 18 mois, chaque 6 mois, chaque 12 mois, ils ont une bataille qui a fait pour renouveler, là, nous commençons à gommer avec les législateurs américains pour nous dire est-ce que vous avez moyen pour que les gens qui ont bénéficié de TPS, est-ce qu'ils ont changé le statut de façon définitive en lieu et place. Chaque 6 mois, chaque 12 mois, m'a vienne là, m'a vienne expliquer tout goût mais qu'a fait pour que yo ta allonger TPS là pour nous. Mais travail ça, il plus a fait au niveau de Parlement américain parce que c'est pas administration Trump là qui gagne capacité pour changer loi, c'est plutôt le Parlement américain. C'est pour ça nous discuter en pile avec eux sur l'idée que oui, effectivement on a cherché support yo puis yo ta forcer président Trump et gouvernement là et tant TPS mais n'a pas là avec les parlementaires américains autour. Puis ça aider le changement de loi parce que c'est ça nous estimer qui est la solution à long terme au niveau du programme TPS. C'était ambassadeur haïtien Paul Altidor dans micro Ronald César. Ça a gagné un mois dans une question session, question-réponse dans Facebook Live sous la voix de l'Amérique. Et nous t'ai abordé question ça tout avec président Jovenel Moïse en marge dernier Assemblée générale Nations Unies qui t'a répondu nous comme ça. Gan pile travail qu'a fait au niveau Parlement américain. Au niveau Congrès, nous travaillons en pile à travers le ministère des Affaires étrangères. Nous avons un gros travail qu'a fait pour nous voir comment d'ici le mois d'octobre, pour ne pas dire le début du mois de novembre, il y a une lettre qui supposait partir pour aller dans Washington pour nous commencer remobiliser sous question. Mais il y a un travail qui a fait. Pour que nous fassions dossier à quitter Maison Blanche pour aller dans le Congrès de préférence. Parce que nous connaissons que c'est sénateur avec député qui fait loi. Et c'est eux-mêmes qui ont des décisions qui pour prendre leur forme de démocratie, tant que démocratie américaine. Non? C'est leur décision. C'est le Parlement qui sorti. Décision ça, c'est une décision qui
plus durable. C'était le président haïtien Jovenel Moïse dans marge dernière assemblée générale des Nations Unies, donc il a parlé sous question TPS et statut de protection temporaire, et nous connaît d'après nouvelle yo ambassade d'Haïti à Washington nan non président Jovenel Moïse voyons on lettre officielle by administration Donald Trump pour ta prolonger pour 18 mois statut de protection temporaire pour plus passer 50 000 haïtiens qui vivent aux États-Unis. Nouvelle concernant pays d'Haïti, toujours appareil justice là observé jeudi madia et yon deuxième journée arrêt de travail pour exiger plus bonnes conditions de travail avec augmentation de salaire. Depuis Port-au-Prince, correspondant Orfa de Sous, Abdino Plus. Bon côté à Nama pour 48 heures, bon côté à PM toute la semaine. Dans toutes les juridictions, sont grèves qui respectent jusqu'à nouvel ordre. À partir de tout ça, me gagne comme donné à 100 sur 100. Après plusieurs avertissements toute qualité, magistrats, greffiers et huissiers définitivement entrés en grève sur tout territoire haïtien. Magistrats ont une motivation pour faire grève ça à cause budget exécutif là alloué à système là pas représenté en rien. Président Association Nationale Magistrat Haïtien yo, juge Durin Duré Junior, critiqué salarié li tête raide pouvoir exécutif là. Ça traduit volonté magistrat yo à tous les niveaux et pour yo pas accepter l'inacceptable, pour yo pas tolérer l'intolérable. Grève la poursuivre demain, deuxième journée grève la que Anam a lancé et APM a continué pour toute semaine là. Donc volonté à li là déterminante et que pouvoir exécutif là a obligé faire bac, l'a obligé venir chita sous table avec CSPJA puis aussi un protocole d'accord. Malgré diverses négociations qui détermine entre association magistrayo, commission justice et sécurité publique là en tête collée avec la présidence, chita parlé a pas abouti à aucun résultat. Promesse président république là te bay magistrayo semblé pas arriver calmer colère silayo, c'est nos quoi déclaration magistrat Durin Duré Junior. Te gen mandat juge yo ki t'est arrivé plus qu'on centaine jusqu'à présent et yo pa jam reconduit yo presque qu'on centaine yo pa jam reconduit yo ça prend temps 2-3 mois les arriver dans palais national. Deuxièmement te gen budget ki pa ba la justice absolument aucun moyen gen des primes que yo konnen pour te ba magistrat yo en guise de frais yo fin d'accord pour yo ba li yo rive sous terrain pour chita pour négocier yo même qui convoqué CSPJ yo même yo chita yo pa là autant de frustration dans le système qui fait magistrat passer à l'action. Grève ça venait dans un moment côté nouveau année judiciaire haïtien fait l'ouvrir. Si tribunal dans 18 juridictions en d'un pays a paralysé, plusieurs observateurs ont posé question pour connaître qui soit un justiciable qui a cherché justice. Yon levé campé qui a gagné gros conséquences sur la société. Or, fa des sources, la voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Orfa. Et la Voix de l'Amérique organisé dans Port-au-Prince un séminaire 3 jours pour reporters télévision affiliés en Haïti. Dans l'occasion séance formation ça sur utilisation médias sociaux pour reportage dans époque digitale là. Cindy Régis, journaliste et présentatrice dans Radio Télé Caraïbes, une station affiliée service Creole en Haïti, a présenté nous un reportage sur ça apprendre pendant séminaire ça qui commencé hier et qui a fini demain mercredi. Cindy Régis. Dans Pétionville, il y a divers artistes peintres qui chita sur trottoir pour vendre tableau. C'est qu'à Joël, un jeune artiste peintre qui a environ 40 l'année, nous t'ai rencontré devant local Best Western là, l'a expliqué. M'apprend métier ça en 90 dans école atelier Renault Moïse, me fait 4 ans d'études, apprendre anatomie humaine et couleur ensuite. Après 4 ans, fait 2 ans d'expérience d'un artiste créé le Guy Samba, sous le bon nom li c'est Guy Pierre. D'après artiste là, chaque haïtien ta doit valoriser production la caillou, ça qui va permettre travail artiste encourager dans pays a culture haïtienne là pour te mettre en valeur pour étirer artiste dans pauvreté. Joël fait qu'on est tout, l'a fait travail ça depuis 23 l'année et c'est activité ça qui paye caille, paye l'école et prend soin madame Li à 4 petites. Activité ça c'est lui qui supporte moi de 96 à nos jours. Bagain l'autre bagaille moi fait c'est peinture moi fait c'est lui me vendre, c'est lui qui paye caille, c'est lui qui paye l'école, c'est lui qui bon manger mais parfois tout, moi connais grand goût en chien. Même j'ai accompli l'autre artiste nous t'ai rencontré yo malgré toute difficulté yo fait qu'on est yo rencontré dans domaine là Joël expliquer c'est activité ça qui permet de prendre soin famille. Lydia Alexandre, la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci Lydie Alexandre, au lieu de Cindy et Régis. Merci Lydie Alexandre. Eh bien, c'est là n'a mette fin à l'actualité à ce pays d'Haïti. N'a propose l'entourner, n'a va ouais actualité à ce plan international. Washington DC, actualité à ce plan international. Au Kenya, leader opposition Raila Odinga râle l'école dans l'élection présidentielle dirigeant électoral à Paris pour organiser dans date 26 octobre qu'avine là. Monsieur Odinga a une conférence de presse aujourd'hui mardi à la capitale Kenya, Nairobi, côté Lidi Napsite, après nous fin fait quelques délibérations en profondeur sur prochaine élection présidentielle. Et là nous prend intérêt peuple kenyan en considération. Nous croyons que nous avons servi la population plus bien si Patia retire la candidature leader l'IA dans l'élection qui va se dérouler. Fin de citation. La Cour suprême Kenya a annulé l'élection, résultat élection qui était faite dans la date 8 août passé. Élection président sortant, Uhuru Kenyatta, a remporté. Puis le tribunal pays a basé l'annulation sous gros irrégularité ou magouille. Il a constaté beaucoup de commissions électorales indépendant pays Kenya. Et puis l'autre point dans l'actualité, président pays Turquie Recep Tayyip Erdogan défend décision gouvernement li prend pour le faire arrêter un employé consulat américain qui en bas accusation d'est-ce que li mêlé dans activité espionnage. Monsieur Erdogan qui tape abordé dossier à Jodia dans pays Serbie pendant l'été ensemble avec président pays ça dans capitale Belgrade a posé question pour le demander n'a cité comment espion sa yo fait infiltrer consulat américain. Et puis, on a retourné ici aux États-Unis, président américain Donald Trump annoncé jeudi mardi 10 octobre 2017 là, administration Lian prend toute disposition pour réaliser une promesse li te fait pendant campagne électorale là, à savoir faire réforme dans système taxe américain et surtout vini ak réforme qui permet contribuer à bio kembe plus l'argent nan kob yap touché président Donald Trump. People want to see tax cuts, they want to see major reductions in their taxes and they want to see tax reform and that's what we're doing. Président Donald Trump déclaré là moun yo ta remè wè coupure dans taxe yo, yo ta remè wè gros réduction fait dans taxe yap payé. Yo ta remè wè réforme dans système taxe là et c'est ça exactement n'a fait fin citation. Président Donald Trump t'a parlé comme ça pendant une rencontre avec la presse dans le moment il t'a recevoir dans la Maison Blanche ancien secrétaire d'État Henry Kissinger. Toujours ici aux États-Unis, dans l'État Californie, dans partie l'ouest pays, pompiers a prédit pour yo éteindre plus passé yon douzaine gros difé qui déjà touye au moins 11 moun et obligé plusieurs milliers lot courir quitter caillou. Dawn Wyatt qui c'est porte-parole service pompier dans ville Anaheim déclaré jodia n'a cité. Nous pas espérer condition yo pral favorable pour nous faire travail nous comme ça doit. En tout cas, pas avant demain mercredi. Jean condition temps présenté actuellement, nous prévoit plus difé pral prend dans jour cap vini là-haut. Fin de citation. D'après M. Wyatt toujours, et jusqu'à présent, pompiers pas arrivé contrôler rien du tout dans du feu. Et il dit sac responsable. Ça, c'est grosse surface du feu occupé dans Californie, mettez sous ressources qui diminue en pile dans l'État. Voilà, c'est avec le dernier dépêche ça que nous avons mis fin dans Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. Nous avons mis depuis Washington DC qu'on est à un moment arrivé pour nous partager avant. Nous allons passer dans un autre point qui a dominé l'actualité, ici, surtout ici aux États-Unis et qui a un rapport avec le pays d'Haïti. C'est capitale fédérale américaine, Washington DC, qui accueille semaine ça ministre Finance, ministre Planification et gouverneur Banque Centrale. Dans 189 pays dans cadre réunion annuelle Banque mondiale et Fonds monétaire international. Haïti représenté dans réunion ça avec une délégation
ministériel qui gagne à la tête li ministre finance là et Jude Patrick Salomon. Jean-Pierre Leroy, collaborateur nous qui était dans quartier général et Fonds monétaire international à Jodia, a présenté un reportage dans un segment spécial là sous la voix de l'Amérique. Ministre finance et planification 189 pays a rencontré ici de Washington dans cadre réunion annuelle automne gouverneur Banque mondiale et Fonds monétaire international yo sorti 9 rive 15 octobre 2017. Réunion sa yo pour dérouler dans moment côté prévision sous croissance économie mondiale là toujours été positif d'après directrice FMI Christine Lagarde. Taux croissance là qui était 3.1% en 2016 passé à 3.5% en 2017 et capable accuser une croissance 3.6% en 2018. Cependant, il y a quelques défis pays yo doit lever tant qu'on entrave structurelle yo qui empêche croissance là aller plus rapide. C'est plus bon moment pour institution Bretton Woods, c'est-à-dire Banque mondiale et FMI, t'a fait quelques réformes structurelles dans l'architecture financière mondiale. Gouverneur Banque centrale yo, représentant secteur privé yo avec organisation société civile là, université yo a participé tout pour discuter sous question qui a intérêt mondial. D'un coup, perspective économique, yo, éradication de la misère, développement économique, résultat, assistance financière. Ministre financier pour l'intervenu sous podium Banque mondiale là pour présenter un bilan sous accomplissement et perspective économique. Yo. Ministre financier haïtien, Jude Patrick Salomon, dans une interview libre à la Voix de l'Amérique avant ouverture réunion annuelle là, dit qu'il pourra poursuivre négociation que le président haïtien Jovenel Moïse a commencé avec bailleurs de fonds bilatéral et multilatéral pour exécution plusieurs projets de développement qui dans le programme 5 ans lien. Grand agent haïtien a profité partager avec la Voix de l'Amérique principal point qui dans l'intervention l'a pas fait le labien pour prendre la parole devant l'Assemblée gouverneur. C'est la poursuite des négociations que le président a initiées. Le président a rencontré les partenaires techniques et financiers et en particulier Mme Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire. Le président est très clair. Objectif, c'est de résorber la corruption à des actions concrètes aussi, qui sont importantes pour lui dans le cadre du mandat qui lui a été confié. Notamment, l'énergie, c'est un facteur important. Une énergie à la fois propre, l'hydroélectricité, entre autres. Les programmes sociaux sont importants, y compris des programmes scolaires, infrastructures routières. Pourquoi? C'est parce que pour amener l'investissement dans des coins reculés, faut-il bien que les moyens de communication ou le système de communication soient disponibles. Parallèlement à réunion annuelle, gouverneur Banque centrale et Fonds monétaire international, il y a un pile séminaire à colloque sous thème qui concerne l'économie mondiale, là, développement international et système financier mondial. Président Banque mondiale là, Jim Yong Kim, introduit à Nessa un projet lié le projet capital humain, dans l'effort pour encourager investissement dans le monde comme une étape très importante pour stimuler une croissance économique inclusive et mettre bout dans la misère. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington, depuis quartier général Fonds monétaire international. Merci Jean-Pierre Leroy. N'a pas rappelé que go réunion ça, go oublie ça, l'a continué toujours dans la capitale fédérale américaine qui accueille semaine ça, ministre finance, ministre planification, gouverneur banque centrale, 189 pays dans le cadre de réunion ça qui fait chaque année que Banque mondiale et Fonds monétaire international organisé et n'a donc Haïti présent dans go réunion ça avec une go délégation ministériel qui gagne à la tête li ministre finance haïtien Jude Patrick Salomon et nous avons un reportage avec Jean-Pierre Leroy qui était présent et n'a bien l'autre reportage encore avec Jean-Pierre Leroy qui a bien pour porter l'autre précision pour nous. Nous presque arrivé dans fait programme mais d'arrêt mais d'abord avant nous aborder l'autre question rappeler grand titre cap fait actualité a. C'est d'abord autorité haïtienne qui a adressé une demande officielle par administration américaine, administration président Donald Trump, pour ta prolonger pour 18 mois statut protection temporaire pour plus passer 50 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et nous avons eu l'occasion, dans les dernières interventions que l'ambassadeur Paul Altidor a fait sous la Voix de l'Amérique dans une session questions et réponses sous dossier. Il était de tout au président Jovenel Moïse qui dit que toute démarche qu'a faite sous question TPS là pour Haïtiens qui vivent ici aux États-Unis plus passer 50 000. Et puis en Haïti, magistrats ont observé deuxième journée arrêt de travail pour exiger plus bonnes conditions de travail avec augmentation de salaire.
Et puis, gros du feu dans la Californie, donc 10 moun pou piti perdu la vie, dans plusieurs dix feux forêts qui éclataient dans la partie l'ouest Californie. Et yon lote konye se pratiquement nou rive nan fin programme nan, an alan lot nouvel sa yo, bien que yo pa politik, men yo fè aktualite a tou. Se on super mardi, jodi ya, apremidi ya, aswe ya, paske gon paket match kap jwe. Jean-Aubert Philippe di gan pil l'eau ki pral koule dan jen an pil moun, men Haïtien ti jan branche sou yon match spesyal. Match sa, se match ke Argentine pral jwe nan Quito kont Équateur. Fon di que seul pays qui qualifié dans région Amérique du Sud là, c'est le Brésil qui qualifié longtemps. Li même il y a un problème, là pral jouer contre Chili, yon match pour l'honneur et que pral jouer. Mais il pas pour l'honneur pour Chili parce que si Chili calé, eh ben la joue une qualification, mais s'il perd du tout, bagay ka fè ap koulama. Donc yon plus focus sur Argentine avec tout Lionel Messi qui pral jouer contre Équateur. Yon défaite, nous pral gon Coupe du monde sans Messi, sans Argentine. Ça en pile monde même sous fanatique Brésil mon patron en Coupe du monde avec yon nan pigo joueur qui gagne sous planète là donc n'a pour pita peut-être que demain m'a vinn ba nou résultat même si Jean-Aubert Philippe a déjà ba nou depuis le matin m'a salué équipe technique toi qui te gagne là-dedans Dan Crafton Rob McLean Mike Frank Samblier Arthur Jean-Pierre Jean-Pierre Leroy Jean-Lionel Demarat Serge François Michel et nous remercions toute équipe nous qui en Haïti qui a présenté formation ça sous et réseau social. Depuis studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lebelizer, m'a cassé rendez-vous avec nous pour demain sous La Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington. Bonsoir.